Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Ça va pas du tout. Amis jardiniers, bonjour et bienvenue au potager qui dit non. Vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du froid au jardin. Le temps de me changer et je suis à vous. Vous avez sans doute constaté ces derniers temps, sur le Nord-Pas-de-Calais en particulier, une vague de froid là qui est descendue. C'est quand même des températures assez basses qu'on a pu constater, hein. C'est descendu à moins 5, moins 6 à peu près, en pleine. C'est quand même pas négligeable, hein. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de ce froid, au jardin en tout cas, qu'est-ce qu'il faut en penser? Voilà, je vous propose un petit peu une réflexion sur cette question. Alors, il faut savoir que les végétaux se préparent un petit peu à l'arrivée du froid, hein, durant l'automne. Hein, une catégorie de végétaux, en tout cas ceux qu'on va qualifier de rustiques chez nous, se préparent donc durant l'automne. Les températures baissent doucement et on assiste à ce qu'on appelle un endurcissement au gel, hein, qui va permettre donc à ces plantes de résister très bien voilà, à la période hivernale. Tant que ça ne descend pas non plus à des températures extrêmes, bien sûr. Et ce qui est important quand même à savoir, c'est que cet endurcissement au gel va cesser dès que les températures vont remonter au printemps. Alors si vous avez à ce printemps des gelées qu'on appelle des gelées blanches, hein, les gelées printanières un peu tardives, et que l'endurcissement au gel n'est plus actif, eh bien c'est là que vous avez des accidents sur... voilà, sur un certain nombre de plantes, quoi, qui sont possibles, hein. En fait, il y a froid et froid. Et c'est la manière dont ce froid va arriver qui est déterminante. Si le froid arrive de manière progressive, les plantes pourront s'adapter d'autant mieux. En revanche, si la chute des températures est brutale, et rapide, a fortiori, alors là, ça se passe moins bien. Et on peut observer des problèmes, hein, sur les végétaux, notamment des nécroses au niveau des bourgeons, des déformations, comme c'est le cas chez le pommier. Ou alors vous pouvez avoir les taches brunes caractéristiques, hein, que chacun connaît, je pense, sur les végétaux qui ont pris un coup de gel au niveau de leurs feuilles, hein. Alors, vous savez que les végétaux puisent l'eau dans le sol, hein, évidemment, et si cette eau est gelée dans le sol, cette eau n'est donc plus disponible pour les plantes, et ce qui va arriver, c'est que les plantes vont tout simplement se déshydrater. C'est pour ça qu'il peut être intéressant, après une période de gel, dans la mesure où vous êtes sûr que les températures ne redescendront pas en dessous de zéro, bien entendu, il peut être intéressant d'arroser un peu au jardin immédiatement après une période de gel, de manière à fournir de nouveau très rapidement de l'eau disponible, utilisable par les plantes. Alors le froid présente quand même bien des intérêts, notamment au niveau de la biologie de la plante, hein, puisque le froid va stimuler la synthèse de certaines hormones qui vont activer le développement de bourgeons, hein, notamment de bourgeons floraux, mais pas seulement. C'est ce qu'on appelle la vernalisation, hein. La vernalisation est vraiment quelque chose d'important dans le cycle de vie d'une plante. Je crois savoir que les framboisiers, par exemple, notamment la variété Zeva, a vraiment besoin de ce coup de froid pour bien fleurir et bien fructifier l'année suivante. Donc dans ce cas, le froid n'est pas à craindre, il devient même nécessaire, hein. D'ailleurs, si on regarde un peu la production de jacinthe pour Noël là qui approche, eh bien les industriels provoquent donc artificiellement cette vernalisation pour obtenir une floraison des jacinthes en décembre, ce qui ne correspond pas du tout à la période de floraison classique de cette plante, hein. Alors ce besoin de froid, donc cette vernalisation, est même indispensable à toute une catégorie de plantes, en particulier bon nombre de bisannuelles, hein, parmi lesquelles les pensées, les primevères, les pâquerettes par exemple, et au potager ça va être les endives, les navets, les carottes, les betteraves, qui auront besoin donc de cette vernalisation pour pouvoir fleurir correctement,
et vous fournir peut-être les semences que vous voudriez récolter ensuite. Alors on parlait du pommier avec ses bourgeons qui craignent certaines nécroses en cas de forte forte gelée. Eh bien le pommier a quand même besoin d'un millier d'heures environ à 7 degrés ou voire un peu moins pour pouvoir fleurir correctement l'année suivante. Par ailleurs, le froid est nécessaire également pour lever la dormance de certaines graines. D'ailleurs, il n'est pas rare d'observer des jardiniers placer les graines dans le bac du réfrigérateur quelque temps, hein, 30, 60 jours à peu près avant le semis, histoire de lever cette dormance, hein, chez certaines graines. Alors, il est bien sûr intéressant de protéger certaines cultures en hiver, ça va se faire à l'aide de tunnels, de voiles d'hivernage, ce genre de dispositif fonctionne très bien. Le paillage également, ou l'association paillage-tunnel, ça peut aussi se faire comme ça. Ce qui est important, c'est qu'au printemps, quand les températures vont remonter un peu, il convient d'aérer un petit peu ces dispositifs-là pour éviter le développement de, eh bien, de pourriture, moisissure, etc. Alors, on entend souvent parler d'un bon hiver comme étant nécessaire, un hiver rude, hein, pour pouvoir se débarrasser des parasites et divers ennemis des cultures. Oui, oui et non. Hein. Pour ma part, je pense que si les populations de pucerons, cochenilles, etc. seront décimées peut-être, en tout cas se verront réduites par un hiver effectivement un peu rude, je pense quand même que toute la cohorte d'insectes auxiliaires, hein, éventuellement les prédateurs de ces insectes-là, seront eux aussi impactés par cet hiver rude. Je crois que ça s'équilibre hein, finalement, et dans le cas d'un hiver doux, c'est à peu près la même chose. Si les populations de pucerons et autres sont préservées, eh bien tous les auxiliaires qu'on peut mettre en face, hein, coccinelles, sirf, etc., seront préservés tout autant. Hein. Voilà un peu ce que j'en pense. Hein. Alors, sous les frimas de l'hiver, bien des récoltes sont encore possibles, hein, je dirais du mois d'octobre jusqu'au mois de mars à peu près. Souvent, il faudra pailler, hein, ce sera quand même mieux. Le foin, d'ailleurs, est idéal pour ça. Alors, je peux vous parler, par exemple, des choux paumés, de vos girards, tête noire, de pontoise, roi de l'hiver. On va avoir également les choux frisés, le vert du Grand Nord, le vert de Menin, par exemple. Les choux de Bruxelles, semi-tardifs ou tardifs, comme par exemple de Rosny, de Groningue ou encore Sanda. Hein. On va avoir également des salades, ça va être le cas de la grosse blonde paresseuse par exemple. Alors j'en connais une, mais je ne veux citer personne. On va avoir la merveille d'hiver également, les salades mâches bien sûr, la coquille de Louviers, la verte de Cambrai par exemple. Ou encore les épinards tels que le géant d'hiver, qu'il faudra protéger quand même par un tunnel, les poireaux d'hiver, amores, bleu de Solèze, géant d'hiver également, et puis bien d'autres encore, hein, il y en a toute une cohorte qui sont utilisables sur cette période. Enfin, il est peut-être bon à savoir aussi que si les sols hydromorphes, c'est-à-dire les sols gorgés d'eau, ont du mal à se réchauffer puisque l'évaporation en eau consomme beaucoup de calories. Il faut savoir que les sols secs se refroidissent eux très 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 rapidement, quoi. Quant à la neige, du moins si elle est pas tassée, c'est un excellent isolant qui protège efficacement votre sol. Donc n'ayez pas peur de la neige, quoi. Voilà, cette réflexion un petit peu sur le froid au jardin s'achève, on arrive au bout. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose, comme d'habitude, de me faire part de vos remarques, réflexions éventuelles. Enfin voilà, on peut en débattre hein, très facilement à travers les commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.